Coucou mes petits hérissons, c'est Sol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le, je ne sais plus, cinquième ou sixième épisode de Mage of Mysteria. Donc là j'ai farmé un peu les, comment ça s'appelle, les petites pierres d'âme, donc 314, on va pouvoir acheter la baguette. Ah oui? J'espère qu'elle se servira bien. Baguette de Igni, augmente les dégâts de l'effet de brûlure des sorts de feu. Ok. Et comment qu'on fait pour changer de baguette? Ah. Baguette magique basique, elle n'a rien d'effet spécial. Ah bah là, celle-là, on va la prendre. Augmente les dégâts les effets de brûlure des sorts de feu. Bon, on va prendre celle-là. Elle sera toujours mieux que celle qu'on avait à l'heure actuelle. Dans tous les cas. Oh putain, regarde, vous avez vu le... Oh, trop bon. Et je me demandais, est-ce que par hasard, grâce à ça... Non, on ne peut pas l'ouvrir. Je me suis dit qu'avec la baguette de feu, c'est pour ça que j'ai farmé. Je me suis dit qu'avec la baguette de feu, on pouvait peut-être... bah s'occuper d'ouvrir le machin. Donc on va se dépêcher d'utiliser le portail qui est par au-dessus. Bam bam bam. On sent. Ils sont chiants. Ah. Ça, on va récupérer. Deux petites pierres, c'est toujours bon à prendre. Prendre le téléporteur, oui. Et on va se téléporter par là. Let's go! C'est parti. C'est parti dans les hautes terres. Donc, faut qu'on aille maintenant vers la tombe des rois mages. Et là, il y a quoi? Il y a les fosses inondées. On va aller vers la tombe des rois mages. Hein. Let's go, c'est parti. Bah, ça doit être... Donc c'est pas par là. Donc là il y a la dernière fleur qui nous manque. Mais on ne peut pas y aller. Ok. Ok, ok. Point de sauvegarde par ici. Paraissage par là. Et je présume que on commence à rentrer. Avis de recherche. Locas Armes. Pour avoir eu recours à la majorie pour contourner les serrures royales. S'est servi dans les entrepôts royaux et distribué les biens de la couronne aux paysans. Youpi! J'adore aller au marché avec ma maman. D'accord. Hé, hey, c'est qui toi? Tu me fais un coucou? Tu me sembles être une personne qui voyage beaucoup. Serais-tu assez gentil pour m'aider? Ça me ferait grand plaisir. Merci. J'ai rencontré cette charmante fille, Anna, lorsqu'elle est venue ici vendre des tissus. Elle avait de magnifiques cheveux rouges. Comme le feu. Je ne peux pas m'arrêter de penser à elle. Pourrais-tu lui ramener ses fleurs pour moi? Ok. Faudra que je fasse attention si jamais j'ai vu une fille qui s'appelle Anna. Du poisson! Qui veut du bon poisson? Ok. Rien d'intéressant par ici. J'ai tellement faim, petite. Pourrais-je te demander de m'apporter un morceau de pain chaud? Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. Oh, merci. Du pain, du pain, du pain, du pain. Faut trouver du pain. Et là, du coup, faut qu'on aille faire quoi ici? Ah bah, on n'y est pas. Encore. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve une boulangerie. Là, c'est des gardes royaux. Ah, il y a un coffre. Oh, que fais-tu ici? Merde. Est-ce que par hasard, on va réessayer? Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire.
Baguette Gaia améliore les sorts de terre en augmentant les dégâts et le repoussement. Ouais, c'est ça, fallait faire un peu d'infiltration. Bah tant mieux. On a chopé une nouvelle baguette. Les sorts de terre. Donc ça c'est cool. Et je crois que j'ai vu un truc inspecté. Je suis en train de me demander. Ah, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Donc j'ai bien fait d'aller par là-bas, tant mieux. On a deux baguettes. Donc ça c'est cool. Il nous faut du pain chaud. Ok, pas elle qui vend du pain chaud. Ah bah tiens, le boulanger qui est là. Ça doit être lui. Pain chaud, du bon pain chaud, mademoiselle. Oui, s'il vous plaît. Achetez-en un. Bah 10, ça va. Et voilà ma petite. Et tiens, est-ce que lui, il peut pas nous renseigner? La vie est vraiment belle. Ok. Et le petit, le gosse là. Le nouveau conseiller est effrayant. Ses cheveux font des pics. Ok. Allez, viens, mendiant. Tiens. Voilà pour vous, monsieur. Du pain chaud. Merci. Je n'ai pas grand-chose à te donner en échange. Ne vous inquiétez pas pour ça. Merde. Peut-être qu'il nous aidera plus tard. Bonne question. Ok. Tant mieux. Et attendez. Je crois que j'avais vu un truc, je ne sais plus vers où. Non, c'est pas par là. Bon, déjà, on va aller dans la sorte de grotte. Et on va bien voir ce qui s'y passe. Il y a des sortes de blobs là. Ok. Par là-bas, il y a une porte. Est-ce qu'on va pouvoir faire... Est-ce qu'on va pouvoir y aller? Ah! C'est bon. C'est bon, c'est bon. On passe. Ah ah! Faut qu'on recharge la magie un peu. Bon, on va passer d'abord par ici. Et on va bien voir ce qu'on va trouver par là. Hop, hop, hop. Attention à pas tomber. Faut qu'on aille ici. Ouais, c'est bon. On a réussi. Qu'est-ce qu'on va y trouver? D'accord. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible aussi. Mais ça, c'est pas possible. Merde alors. Comme dirais-je, merdasse. Non. Bordel. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est pas ça. Ça non plus. J'ai envie de vous dire que ça marcherait pas. Ah, non. Non, non, non. Donc, c'est forcément quelque chose dans le genre comme ça. Ok. Là... On est bon. Nickel, of course. Donc là, une pierre d'âme violette. On en a 3 sur... Enfin, on en a... Ouais, si, c'est ça. 3 sur 4. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à récupérer par là-bas? Je ne sais plus. Non. Ok. On va aller à l'autre bout. On va bien voir. Si ça se trouve, on ne pourra pas aller de l'autre côté. Ah si, on peut sortir. Je pensais qu'on aurait pu prendre la bouteille d'eau, mais non.
Regardez. Par là-bas. Non, ce n'est pas par là. Donc toi déjà tu vas crever. D'accord, il y en a un autre par ici. On est là pour explorer. Donc on va, c'est ce qu'on va faire. Ouh là là, on a eu de la chance. Oh merde, je suis tombé dans l'eau. Ouh, j'ai eu de la chance. Bon, hé, toi, tu commences à me saouler, crève. Ok, on est bon. On va faire ça. Ok. Là, je suis un peu concentré. Oh putain. C'est bon, ils peuvent pas m'avoir de là. Ah si, ils peuvent m'avoir. Un peu de vie. On court. Ok. C'est bon, c'est bon. On n'est pas mort. Alors regardez, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un badge? Tu ne vas pas le ramasser une ordure pareille, non? Ça pourrait être utile. Badge. Un insigne Mistralia. Seuls les gardes du château reportent. Tant mieux. Ah yes, des points de vie. Par contre, il nous manque... Allez, toi tu vas crever. Et j'ai d'abord j'ai bien envie de voir si il n'y en a pas d'autres par là-bas. Parce que je sais pas pourquoi. Allez, vous voyez. Ah non, c'est par là-bas. Oui. Yes. On a réussi. Oh putain, c'était tendu, hein. On a failli pas y arriver. Ok. Et heureusement qu'on a ce sort là. Heureusement que je l'ai combiné. Parce que bon sang. Ok. On passe plutôt bien. Je sais plus vers où que c'est. Ça doit être un truc du genre par là. Hein. Ah, c'est par là-bas. Non, c'est pas par ici. C'est bon, on va y arriver. J'ai confiance en nous. Ouais. Yes. Let's go, le coffre. Qu'est-ce qu'on va débloquer? Rebond. Faire rebondir le sort sur les murs et les obstacles. Uniquement utile avec Actu. Tab Actu. Et avec toi là. Ça, on va supprimer. Oui. Toi, on va te modifier.
Non, toi, on va pas te modifier. C'est Actu 1 qu'on va modifier. Et éventuellement, on va lui mettre du rebond. Et ça, on va l'enlever. Nickel. Ok. Ah ouais, ça peut être pratique. J'ai envie de dire que ça peut. Ah, j'ai eu de la chance. J'ai failli me faire. J'ai failli tomber dans l'eau. Donc on a un signe de garde. On a ça. Quoi faire de plus là? Tiens, est-ce que on pourrait pas créer un nouveau sort de glace par exemple? Non, ça c'est pas là. Créo. Donc non, on a que Aléa et droite. Donc, pour l'instant, on n'a rien pour la sort de glace. Allez, hop. Donc bon, je sais pas si c'était par là qu'il fallait aller spécialement. Au final. Mais en tout cas, on l'a fait. Du coup, faut qu'on aille par là-bas. Faudrait qu'on trouve un panneau ou une connerie comme ça. Je sais même plus en fait c'est quoi le nom du bled où faut qu'on aille. Château de Mistralia. Il faut qu'on aille au Tombe des Rois Mages. Ok. Donc ça doit pas être là-bas. Peut-être que maintenant avec ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a un endroit qu'on n'a pas encore été exploré, enfin que j'ai pas été encore exploré du coup. C'est vers. Ah! Là-bas. Tiens, il y a un papy, on va aller lui parler. Hey papy, comment vas-tu? Je n'arrive pas à attraper de poisson aujourd'hui, à cause de toutes ces étranges tapages sur l'île. Veux-tu bien voir ce qui se passe? Sans aucun problème. Débarrasse-toi de ces fauteurs de troubles. Ok. Oh putain. Ce serait pas ça? Ok, plus de manie. Plus de manie. Bah oui, plus de manie, bien entendu. Non! J'avais plus de sort. Allez, s'il te plaît, Zia! C'est bon, il est mort. Yes! Voici le problème du pêcheur réglé. Et est-ce que. Non, je me suis noyé. Quel boulet. Toc. On n'a pas de truc intéressant. Là non plus. Là non plus. Bon, on va s'occuper de retourner là-bas. Putain, je m'en suis douté de ça. Je me voyais arriver trop vite. Allez. Prends ça. Baguette aqua réduit le cours mana et améliore l'effet de ralentissement des sorts de l'eau. Ça, c'est cool. On débloque des baguettes. C'est le seul avantage. Et c'est vrai que pour cela. Il y a des gobelins qui sont résistants à tel et tel type de sort, donc on va les bien voir. Oh tiens. Donc ça, on peut pas l'utiliser non plus pour le moment. Donc c'est pas par là, c'est forcément au village.
Enfin, moi je le vois comme ça. Après, je me trompe peut-être, hein. J'ai pas la science infuse. Donc. Allez hop. Je me rappelle plus ce qu'il m'avait dit, papy. Obtenir le livre du roi fou dans la tombe. Ouais, mais d'accord. Ce carrefour entre les hautes terres consiste en... Le château de Mistralia a été construit au cœur du... Au cœur de la vallée, juste à côté du grand lac. Ce carrefour consiste en... D'accord. Bon, je pense qu'il faut quand même s'occuper d'aller vers... Vers le château. Maintenant qu'on a un passeport, peut-être que... Maintenant qu'on a un passeport, peut-être que ce sera plus simple. On va essayer. Ah, peut-être que... Passer ce pont, seuls les habitants de Mistralia et de son château peuvent pénétrer. Donc, non. Ok. Nous allons vaincre les mages. Non, c'est pas par là. Et un truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de minimap. Vraiment à proprement parler des lieux. Donc c'est pas non plus dérangeant. Mais par exemple ici. Et bah. C'est un peu problématique. Ah bah tiens si. On est pas. L'accès à la tombe du roi mage est interdit. Bénédicte, est-ce fou? Zia, que fais-tu ici? Je devrais te dénoncer, tu sais, mais je ne peux pas. Pourquoi pas? Je dois monter la garde. J'ai été sanctionné pour avoir perdu mon badge de soldat ce matin. Je dois rester ici jusqu'à ce que je le récupère. Bah, tu le récupéreras jamais, et je doute que ça arrive. Pourquoi c'est dangereux? Oui, le conseiller Clovis a dit qu'il y a... il a dit que les mages s'y rendent la nuit et font des rituels étranges. Je ne serais même pas ici si j'en avais le choix. Je pense que j'ai trouvé votre badge. Le voilà, où l'as-tu trouvé? Tu n'es certainement pas entré dans le port sans autorisation vu qu'il est fermé, non? Bah, peu importe. Je peux maintenant quitter ce sinistre endroit. Merci. Et comme un boulet, moi, du coup, à cause de lui... Enfin, lui comme un boulet, il se part et moi je peux rentrer. Oh putain! Oh. D'accord. Donc là, il nous faut une clé. Ou à moins qu'on peut casser. Ouais, je m'en suis douté du coup. Ça aurait été trop beau. Est-ce que faut que je rentre juste comme ça et puis c'est la fin? C'est bon? Bon, on va explorer au cas où. Ah. Capou, le feu nourrit le diamant de chaleur de carburant. Bon, je ne sais pas comment avoir la clé. Ok, bon, on va rentrer déjà à l'intérieur et on va bien voir parce que du coup là je présume que on n'a pas trop le choix. C'est un message subliminal. Tombe des rois mages. Sous le vertigineux château Mistralia se trouve une crypte en pierre avec de nombreuses chambres où les rois mages des anciens temps et tout ça. Excusez-moi, je baille un peu fatigué. Du coup, et toute leur famille était enterrée dans d'énormes cercueils en pierre. Décorés au-dessus de Caltafac, les Mistraliens superstitieux disaient qu'il était possible d'entendre des pleurs et des hurlements la nuit près du portail scellé de la tombe.
Ok. D'accord. On a cette porte-là à passer qui va nous emmener je ne sais où. Est-ce qu'on s'arrêterait pas ici pour le moment? J'ai bien envie. Cet endroit est terrifiant. Oui, mais les livres de sorts anciens sont difficiles à trouver. Mais pourquoi? Le dernier roi mage a proclamé que tous les mages devraient lui remettre leurs livres de sorts. Je ne sais trop ce qu'il leur est arrivé après. Le marquis s'en est probablement débarrassé. Voici tout ce qu'il en reste. Pourquoi n'est-il pas venu dans la crypte pour prendre ceci? Je me posais la même question. Il n'y a probablement jamais pensé. Ok. D'accord. Ok. Ah non. Ah non. Allez, on passe. On passe, on passe, on passe, on passe, on passe. Et on prend la clé. Oui! C'est la victoire! Et seul le conquérant détruit tous les squelettes. Ok. Hop, hop, hop. Ne tombe pas dans le machin. Donc on va s'arrêter sur ça. On a compris un peu le mécanisme pour le moment. Ah. Haha. Comment faire? C'est ça la question. Peut-être que pour le moment je ne peux pas. Ah. Attendez. On va s'occuper de ça d'abord. Et là il y a un livre. Ce livre contient quelques sigils et des notes sur le jardinier et la cuisine. Ça ne semble pas être le livre que je cherche. Il y a Non, hop, il y en a tellement. Combien de rois mages y a-t-il eu? La dynastie des rois mages a perduré pendant de nombreuses générations. Mais ces cercueils n'appartiennent pas tous à des rois. De nombreux amis de la famille royale ont reçu le privilège de reposer ici. Les plus grandes chambres étaient réservées aux rois. Et ils ont continué de creuser et d'agrandir la crypte au fur et à mesure qu'il manquait d'espace? Exactement. Les rois mages Aetius devraient être donc enterré tout au bout. Je suis impatient de le savoir. Ok. Ok, on peut casser les sortes de cercueils. Et ça, c'est toujours pas bon. Bon bah tant pis. On peut pas pour l'instant, on peut pas. Peut-être qu'à la fin on pourra. Là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager, à souscrire à un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et pourquoi pas à me suivre soit sur les réseaux, Twitter, Facebook. Je suis quand même un peu plus présent sur Twitter, j'allais dire Facebook, mais plus présent sur Twitter. Et pourquoi pas aussi sur le groupe Team. Allez, des bisous, c'était Soy. Et puis je vous dis à très vite sur la suite d'un jeu indépendant ou sur un let's play en cours. Ciao!